petit peu en chier à mon sens, mais on verra. On va prendre le Diablotin des Flammes, on a un Bran, on n'a pas trop envie de le jouer, mais bon, on est contraint. Oh là là, ça c'est nul ça. Oh, ça c'est pourri ça, on va prendre la provocation. Ça c'est le genre de ça c'est le genre de découverte pourrie ça. Ah là là, déception, déception. Alors là, je me demandais, puisque tu vis des streams, t'es rémunéré comment? Genre grâce au don ou alors au pub, t'as des fiches de paie comme une entreprise. Non, c'est des appels à facturation. Donc en gros, quand t'es prestataire, quand t'es auto-entrepreneur, pardon, donc t'es prestataire de service pour une société, là en l'occurrence Gamers Origin, à la fin du mois, Gamers Origin te fait un appel à facturation et te dit, tu as généré tant d'argent, on te doit tant d'argent. Et toi, tu t'envoies la facture, tu dis, ah bah. Vous me devez, bah, je sais pas, 500 euros, bah, je t'envoie une facture de 500 euros, rends l'argent, tu vois. Et du coup, il te paye 500 euros, tu vois ce que je veux dire? Ça marche comme ça. Et ok, le Bran est mort, ça lui a coûté très cher pour le coup. Ouh, ça peut être sexy ça. Ouh, là, le petit voile de mort. Voilà, dépôt une autre situation. Si le jongleur de flamme fait le taf, c'est bon. Ah, bon, le jongleur de flamme fait pas le taf. Et en gros. Et donc, du coup, voilà. Je vais ici, rembourre les gars, il a déjà joué la baston. Donc voilà, en gros, bah, t'envoies l'appel à facturation et Gamers Origin va te payer un pourcentage des revenus. C'est en gros 70% des revenus pub que tu as généré. Donc si je génère par exemple 500, bah, 1000 euros pour un chiffre rang, pour un chiffre rang, 1000 euros de revenus pub, je vais être payé 700 euros par exemple. Ou si je génère 500 euros, je vais être payé, bah, je sais pas, 350 euros. Donc voilà, ça marche comme ça. La baston, la deuxième baston? Ah non, pas la deuxième baston, ça fait plaisir ça. Ça c'est cool les gars. Ça c'est cool. Allez, la colite de la souffrance. Donc ça marche comme ça. Et les dons, du coup, c'est. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Et les dons, du coup, ben, ça passe pas par Gamers Origin. Du coup, les dons sont donnés directement au streamer. C'est les viewers qui veulent soutenir un streamer qui vont faire un don et qui est à 100% pas pour le streamer, du coup. Marché conclu. Oh. Pardon, pardon. Lolo, ce qui est drôle, c'est que c'est le client qui te qui dit combien il te doit. Normalement, dans la vie normale, c'est l'inverse. Ouais, mais pour le coup, vu que c'est le. Parce qu'en fait, pas forcément la vie. Pas forcément. Ouais, évidemment, dans tout ce qui est. On va dire commercial, etc. Commerce, etc. Ça marche comme ça. Mais pas forcément parce que quand une boîte te dit, bah tiens, j'ai besoin de telle prestation, la boîte te dit, bah pour telle prestation, tu seras rémunéré tant. Et c'est la boîte le client. Et toi, tu es le prestataire. Et en fait, tu vas aller bah, faire la prestation pour la boîte, donc là, en l'occurrence, streamer, et tu vas être payé par la boîte tant qu'ils t'ont proposé. Après, évidemment, tu peux négocier tout, mais. J'avais pas l'étal les gars, j'avais 5 non? Non j'avais pas l'étal parce qu'en fait le loup alpha je l'ai posé après. Enfin bref. Et j'avais pas la place sur le board pour tout poser. Et du coup en plus eux ils peuvent pas savoir les revenus à l'avance parce que j'ai pas un salaire fixe. J'ai pas un salaire par exemple, ah bah tiens on te passe 1000 euros par mois et voilà. C'est un salaire qui dépend de tes revenus. Donc si je génère 50 euros, je suis payé 50 euros. Si je génère 1000 euros, je suis payé 1000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Genre ils peuvent eux-mêmes ils peuvent pas me dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je vois pas du tout, je dis de la merde mais. J'étais pas du tout compréhensible. Qu'est-ce qu'on a comme dégâts ici? On a 2, 4, 6, 8, 8, 9, 12, 13, 14. Alors attendez, on va compter. Il y a 7 et 7, 14. On a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est le létal ici, mesdames, messieurs, si mes mathématiques sont correctes. Alors. On peut avoir un ordre de grandeur pour avoir une idée de combien tu peux approximativement gagner. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Le truc c'est qu'avec le revenu pub, je vais te donner un ordre de grandeur, mais en gros si tu vas avec le revenu pub, t'as comment dire un pourcentage. T'as un pourcentage qui est pris par la boîte et tout ça, mais surtout les revenus publicitaires, que ce soit bah, pour le coup, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, que ce soit à la télé, peu importe, les revenus publicitaires dépendent. On a 15-5 du coup. Dépendent de la période en fait. C'est-à-dire que les périodes de fête, par exemple, quand tu es en décembre, vu qu'il y a Noël, etc., les publicités payent très cher parce que les annonceurs veulent que leur publicité passe, parce que voilà, c'est Noël, par exemple. Hein. Du coup, ils vont payer très cher. Et par exemple, les mois, par exemple, de juin, c'est le mois qui va payer aussi très cher parce que voilà, l'été, etc., les gens, ils dépensent, etc., etc. Et par exemple, le mois de janvier, juste après les fêtes, donc de décembre, le mois de janvier, c'est le mois de l'année qui va payer le moins, tu vois, que ce soit sur YouTube ou comme ça. Donc du coup, t'as pas d'ordre de grandeur direct. T'as pas de machin. Le salaire le plus haut que j'ai fait chez Gamers Origin. Alors attendez.
Qu'est-ce que. Voilà. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, on va garder Feu de Lame contre Shaman. On va conseiller garder Feu de Lame. Feu de Lame est une bonne carte contre Shaman. C'était le mois d'août de l'année dernière où les revenus publicitaires étaient très hauts et c'était un truc du genre 1500 euros. Sinon, en général, c'est aux alentours de 800-900 euros par mois. Ce qui est pas incroyable, mais ce qui est pas non plus très bas. Après, évidemment, vu que là c'est une structure, donc du coup la structure prend des pourcentages sur ce que tu gagnes en fait. Donc forcément, comment dire, t'as pas 100% de ce que tu génères, tu vois ce que je veux dire? T'as pas 100% de ce que tu génères. Ok, faisons ça d'abord, parce que si je défausse la pièce, je suis content. Je défausse pas la pièce, donc je suis mécontent. Et là maintenant, je vais jouer ça. Dommage, j'aurais aimé défausser la pièce. Et prenons un Diablotin Flamme. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai concede pour atteindre le rang 11 000. Je suis. Ah, il y a 11 000 légendes, c'est vrai? Oh, dur. Il y a 11 000 rangs légendes. On a du 9 000. J'ai personne au-dessus de 10 000. Ah, si. Ah, si, quand même. Ah, oui, 11 000 réserves. Bah, GG à toi. GG à toi, Tank 9400 aussi. Tank il te concurrence bien. Il se bagarre bien. Proto 1900, ça monte. Zim 1000. Il y a pas mal de gens qui tryhardent. Un bon courage, les gars. Pac qui nous fait une sacrée montée là. 35ème. Kun qui est 737 qui est en train de tryhard aussi. Oh la vache, la vache, la vache. Il y a tout le monde qui tryhard. Bon, attendez. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, arme croc-croc, très bien. Alors jouons ça, ça nous donnera un bon Argus si jamais tu passes au prochain tour. Et donc voilà. 1200 à peu près le SMIC, 1500 max. Bah disons que depuis 6 mois, j'ai pas dépassé les 800, je crois, ou les 900. 900. Sachant que je crois que c'est moi qui ai les plus gros chiffres de Géo. Donc les autres, c'est encore plus dur pour eux. Les autres, ça doit être encore plus dur à mon avis. The Fichu doit gagner un peu plus parce que il a plus d'heures en fait. Mais The Fichu doit être celui qui a le plus à mon avis. Parce que il a un petit peu moins d'audience mais un peu plus d'heures. Et ses audiences augmentent de plus en plus et je pense qu'il doit être au maximum. Mais ouais, non, bah évidemment après c'est pas. Après c'est comme tout, tu vois. Alors est-ce qu'on ferait pas ça? Ah, est-ce qu'on a envie de trade ça, cela dit? Ah, j'avoue, on a envie de trade quand même, on a pas envie de faire les fous s'il a une tempête de foudre, on a perdu après. Quand même, il a fait. Ah, ok. Ça, je me disais, c'était bizarre, j'avais perdu une carte. Une carte s'était volatilisée. Du coup, on peut double trade. C'était tellement dommage, ça avait tué ça, ça a été cool. Je pense qu'on va. Vas-y, vous savez quoi? On va grid, on va juste. Oh, je le bourrais. Oh, je le bourrais comme des gros porcs. S'il a pas de tempête de foudre, il va perdre. Ah, on pourrait tuer ça, mais je pense pas envie de claquer deux créatures. Il est à 16, c'est lui qui est en danger, c'est pas moi en soi. Donc c'est cool, du coup, c'est cool. Ton loyer est payé par Go ou pas du tout? Go aide Gamers Origin, pardon Go, parce que Go c'est pas facile à comprendre. Gamers Origin aide pour le loyer. Il y a une gaming house où il t'aide, mais il te paye pas à 100%, tu payes une partie. Et que sous-je d'autres. Et ouais, il t'aide pour le loyer. Mais évidemment, à Paris, c'est super chaud. Moi, je suis pas, du coup, pour le coup, je suis pas à la gaming house de Géo. Il n'y a pas de place pour moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Never létal. Ah! Oh. Ah, 14, ah, toujours pas létal. Ah, par contre, on peut faire ça. Et trade, c'est ce qui est en soi pas mal. Ce qui est en soi vraiment pas mal. Ok. Gamers Origin aide pour le loyer. Ouais, pour le coup, moi j'ai un truc à part et qui coûte assez cher et c'est assez galère. Mais enfin, ça va. C'est genre, pour le coup, j'ai eu de la chance parce que ça coûte moins cher que pas mal d'autres trucs à Paris. Genre, à Paris, des loyers, La c'est lumière me plus de 1000 protège. euros minimum. Enfin. Un truc pour une personne, ça va être 800 euros et plus. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un truc pour 450, un truc comme ça. 450, 400, 450, ça dépend des charges. Ce qui est bien plus raisonnable que la plupart des machins. Après, c'est un truc. Oh, nice, putain, ça grimpe bien. Après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est en pleine explosion. C'est-à-dire que le monde du streaming, c'est en train de grossir. C'est comme les youtubeurs qui étaient là tout au début, il y a 6 ans, tu vois. Le streaming, ça existe depuis beaucoup moins longtemps, sur Twitch surtout. Dailymotion, avant, c'était beaucoup plus payé, parce que bon, c'était différent, c'était français. Le streaming existe depuis beaucoup moins longtemps, donc il a tendance à grossir, et les annonceurs s'y intéressent de plus en plus, les publicités. Donc on verra. Après, c'est surtout en fait le taux d'adblock, je pense, qui baisse beaucoup les prix. Parce que le taux d'adblock doit être très élevé quand même. Et c'est ce qui fait que ça bride énormément, à mon avis. C'était. Ouais, c'est probablement ce qui fait que ça bride le plus les stats. On garde les feux de lame contre. Ah non, vas-y, on va pas garder les feux de lame, on va pas la pièce. Vas-y, on va pas la pièce, on va pas garder les feux de lame. C'est pas la main qu'on voulait voir.
C'est pas genre les deux cartes qu'on veut le plus voir en main de départ, mais bon, on va essayer de faire, on va essayer de faire avec. Pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans. Nice. Oh, ça, j'en gros, c'est ça, c'est pas mal. Ça, c'est le genre de top deck qu'on aime voir, ça. Ça, c'est le genre de top deck qui nous régale, les gars. Du coup, plus tu as de viewers, plus tu gagnes de l'argent. Plus j'ai de viewers qui n'ont pas de bloc. Mais oui, plus j'ai de viewers, plus je gagne de l'argent. Oh, face, 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 encore une fois, wouhouhou! Putain, mais on joue bien aujourd'hui, on joue bien, les gars. On peut applaudir le beau jeu, quand même. On peut applaudir. Là, faut quand même admettre que là, il y a un certain talent. Ça joue bien. On peut admettre que ça joue bien. Tu as qu'à aller dormir dans la villa de Lutti Sorichu. La villa de Lutti? Parce qu'il a, il a pas de villa, Lutti. Il a pas de villa, what the fuck. Je débloque Adblock juste pour toi, Lolo. Merci à toi, Eisenbelt, ça fait plaisir. Après, en soi, les viewers qui nous aident le plus, nous les streamers, bah forcément, c'est les viewers qui font des dons de temps en temps. Mais les viewers qui nous aident aussi le plus et qui s'en rendent même pas compte, c'est tous ceux qui parlent de nous en fait. Oh, je conseillais, genre, Argus c'est cool, mais. Je conseille les meilleurs. C'est les viewers qui parlent de nous par exemple, genre qui partagent nos réseaux sociaux, qui nous suivent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. et qui partagent nos contenus et tout. Ça, c'est vraiment les personnes pour le coup qui nous soutiennent énormément. Et ceux qui ont pas Adblock aussi, évidemment, c'est beaucoup de soutien et ça aide beaucoup. Et c'est sympa. Merci à tous les potes. Oh non, pas la tempête de foudre. Tape 2! Oh, elle a tapé 3, le gros bâtard. Oh, c'est infâme ça. Pourquoi il a tapé 3, sérieux? Ça par contre, je suis pas d'accord. Ça, c'est dégueulasse, ça. Il aurait tapé 2, il aurait perdu la game. Il a tapé 3, il va gagner. Ah, oh, je suis tellement énervé. En plus, il est fucking 400 milliards de M, là. Je peux pas lire les chiffres. Je marre. Petit sergent Grosset, la famille. Ah non, je jouais ça d'abord. Mais je voulais voir si j'avais sergent Grosset, mais je l'ai pas, du coup, je suis dégoûté. Du coup, je suis dégoûté. Dégoûté. Je sais pas rapper. Non, il me ça. Si toi aussi tu actives Adblock seulement quand c'est holo pour le faire chier. Allez! C'est ceux qui ont le petit logo Gamers Origin aussi. De quoi qui ont le petit logo Gamers Origin? En fait, le holo c'est Harry Potter, il habite dans le placard des Dursley. Non, j'habite sous le pont. J'habite sous. Attends. C'est Harry Potter? Ah, c'est vrai que c'est Harry Potter qui habite sous le pont. C'était pas Dobby ou je sais pas comment ça s'appelle là, machin. Tu te fous de ma gueule là! C'est pas grave, je suis énervé. Je suis énervé. Calmons-nous. Calmons-nous. Dans ça. Marché. Très bon plays évidemment. Un play extrêmement stratégique. Jouons le Bran. Jouons le villageois possédé ici. Bien évidemment. Et tuons ce totem là absolument infâme. Qu'il lui faut piocher beaucoup plus de cartes qu'il en a besoin. Ok, on n'est pas si mal. Oh, on n'est pas bien du tout, même parce qu'il a 5 cartes dans la main et c'est beaucoup trop pour ce stade de la partie. Il a beaucoup trop d'HP également. Mais bon, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. On va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a, les gars. Ok. Là, ça va. Pour l'instant, oh. Est-ce que tu me fais ça, moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi me fais-tu cela? Moi, c'est la question que je me pose et que tout le monde se pose. Au bout d'un moment. C'est la question que tout le monde ici présent se pose. Pourquoi? Pourquoi? Ok, je vois ça. En vrai, il faut que ça tape dans. Je sais pas où est-ce que ça faut que ça tape. En vrai, je pourrais trade ici. Reculez! Genre, non. Je pourrais Reculez! trade ici. Ah, j'ai envie de trade ici. C'est chiant de trade ici, mais. J'essaie de récupérer le board. Est-ce qu'on a une chance de récupérer le board? Je sais pas si on a une chance de récupérer le board. Ouais, vas-y. On va prendre ce trade. À jouer ça ici. Nice. Là-dedans. Là-dedans. Ah! Tu es de l'histoire ancienne. Perdre tout mon board là-dessus, quoi. C'est dégueulasse, c'est infâme. Je suis très énervé. Je suis très énervé, malheureusement. Alors. Je viens de supprimer Adblock de Google pour toi, Lolo. J'ai droit à un coït ou à un bisou. Bah pour coït, c'est que ma maman, donc bisou, pourquoi pas, mais sur la bouche seulement. Ouh, jongleur de flammes. Ok. Bon, je pense pas qu'on puisse la gagner à ce stade-là, mais on va garder l'espoir. On est des hommes quand même.
Hein, on est des bonhommes. On est des bonhommes, on est pas des tapettes, on va pas capturer le mec en plus il est 4 millième, donc ça va faire chier de perdre. Salut Lolo, je serais vraiment deg si ce métier venait à s'arrêter, mais aussi si vous ne pouvez plus en vivre, donc profitez-en. Merci pour nos soirées détente Lolo, je parle de HS à tous mes potes, mais aussi des horaires 19h22. Merci à ta Brancha. Bah pour le coup, moi je vais pas vous mentir. J'ai songé plusieurs fois à comment dire à arrêter de stream et à streamer genre une fois par semaine, genre le samedi soir ou le vendredi soir, et à faire plutôt autre chose à côté, qui serait plus on va dire lucratif, le plus facile à vivre quoi. En vrai, je pense que jouer Leroy ici est correct. Un bon couteau, ça c'est un bon couteau. Je pense que jouer Leroy ici est correct. Il va juste pas voir. Après, c'est la deuxième tempête, la deuxième phase. Et ça met que le samedi. Et mettre par contre des vidéos, continuer à mettre des vidéos tous les jours sur YouTube. Et donc voilà. Mais après, je me dis, bon, c'est un sacrifice et c'est cool. Genre, des fois, quand je me dis ça, des fois, je lis un peu les commentaires. Je passe souvent le soir, genre 1 heure ou 2 heures à lire les commentaires sur YouTube et les réseaux sociaux et tout. Et quand je lis une ou deux personnes qui me disent. Que la vidéo était géniale et que ça lui a redonné le sourire et tout, et je me dis, bah c'est worth it, tu vois. Après, bon, on verra. On verra, on verra. Tu m'as pas porté chance, Loello, en 20 boosters, j'ai eu 0 légendaire et que 3 épiques. Ah, c'est pas de chance ça. Après, en 20 boosters, la moyenne c'est une légendaire, 2 épiques. Donc en soit, t'as eu une épique de plus, c'est pas mal. donc c'est pas. YouTube il te paye. Pour YouTube, ouais, YouTube me paye, mais c'est très peu YouTube. YouTube est rentable quand tu as beaucoup d'abonnés. Quand tu as beaucoup d'abonnés, beaucoup de vidéos et beaucoup de vues. À partir du moment où toutes tes vidéos font plus de 30 000 vues, tu commences à avoir un petit revenu. Et c'est pareil que Twitch, hein, c'est des revenus en fonction des mois. Oh wow, ok. C'est cool parce que je pense que ça me donne un tour de répit. Après, est-ce qu'on gagnerait pas? Oh non! Non, pas le totem de tente, on en a marre là! Ok, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc si je pioche, je suis mort. Si je pioche, je suis mort on board. C'est infâme. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Après, je pense pas qu'il me laissera une chance parce que dans tous les cas, je n'ai plus de charge dans le deck. Donc si. Bon, là pour le coup, j'ai empêché de la merde, j'ai pioché la pierre, je pense. Je n'ai plus de charge dans le deck. Donc la puissance accablante ne me servira à rien. Si je développe pas le board, il va juste tuer ça et au prochain tour, je n'aurai aucune solution pour le tuer. Donc je suis obligé de piocher malheureusement. Et c'est des cuillères d'argent. Et donc du coup, j'ai perdu. Dommage! C'est une belle game quand même. C'est une belle game. Pourquoi ne pas monétiser ta chaîne YouTube? Ça pourrait bien aider financièrement. Chaîne YouTube représente environ 50$ par mois. C'est monétisé, c'est 50 environ 50$ par mois. Et 50$, 50, 60$. La régie publicitaire va prendre son pourcentage dessus, qui est d'à peu près 30%. Ouais, qui est même pas d'à peu près, qui est de 30%. Donc ça représente pas grand chose, c'est juste. C'est juste. YouTube, c'est plus une plateforme où tu peux partager du contenu. Genre, par exemple, il se passe un truc vraiment épique. Tu te dis, bah, c'est dommage que ça se passe. Voilà, c'est nul, tu vois. Et là, tu le mets sur YouTube et tu le partages un petit peu à tout le monde. Ou alors, t'as vraiment une déclisse que t'adores et que t'as vraiment envie de partager avec les gens. Tu peux la partager et tout. C'est plus ça en fait. Alors, c'est quoi, c'est Warrior en face? On va pas garder conseiller contre Warrior, c'est pas bon. Même Marcheur du Vide est pas bon, mais bon. On a. Envie de développer du tour 1. Si on avait eu la 3-2, je pense qu'on aurait pu enlever Marcheur du Vide. Voilà. Donc ouais, YouTube. Après, YouTube, ça devient rentable à partir d'un certain seuil d'abonnés, mais c'est pas l'objectif, on va dire, principal quand tu lances une chaîne YouTube. Genre, tu peux pas te dire, je vais lancer une chaîne YouTube pour gagner un max de thunes. Ça marche pas. Oh non, il a Fury Warax, les gars. Mais à terme, ça peut devenir, on va dire, ça peut t'aider. Ça peut te faire un bonus, un soutien sympathique. Oh, je vais probablement prendre la carte qui enlève l'arme. Oh. J'ai juste piqué trop vite parce que par réflexe c'est toujours la meilleure, quasiment toujours la meilleure. Et j'avais pas vu qu'il y avait le corsaire qui enlève l'arme. On va la piécer. Genre, on n'a pas de prochain tour, mais il a la Fiery War Axe, donc de base on est déjà mal. Donc on va juste la piécer juste pour avancer et espérer piocher à mon truc. Non, on pourra puissance accablante. Et. C'est pas ouf de faire 50 ans de ça, mais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a fait quoi? Il a fait Fiery Warax tour 1 ou tour 2? Non, il a fait Fiery Warax tour 2. Fiery tour 1, il a pas de tour 1, le warrior. Pour le chef de guerre, ça c'est cool pour lui.
C'est tant mieux pour lui. Une fois que ta communauté grandit de jour en jour, tu pourras en vivre après. Bah peut-être, peut-être bien que oui. Peut-être bien, on pourra pas le savoir tout de suite. Ok, on va jouer ça et ça, c'est pas mal pour la Russe. Tu seras le premier streamer auquel je ferai un don, t'inquiète. Mais non, il n'y a pas besoin, mon pote. La meilleure façon que vous avez de me soutenir, c'est de me suivre sur mes réseaux sociaux et de partager les vidéos et tout. Mais ça fait plaisir, les potes. Ça me rend plaisir. C'est dommage que les Squeezie et tout, je vais parler de ce que je pense d'eux, ne vous aident pas niveau pub, etc. Bah après, ils ont aucune raison de nous aider. En soi, il faut comprendre que eux n'ont aucune raison. Genre, ils pourraient pas aider tout le monde. Et le contenu qu'ils produisent est juste beaucoup trop bon en fait. Par rapport à ce que des. On va dire des gens moins expérimentés peuvent produire. Donc, ils peuvent pas vraiment nous aider. Après, évidemment, genre, là, par exemple, dans le Kemarmot, ils ont fait bah, du coup la collaboration avec Squeezie et Cyprien. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont explosé aussi, tu vois. Genre. Ils aident d'une certaine manière aussi, tu vois. Genre, c'est juste ça se voit pas forcément. Ok, bon bah, Sylvanas, on n'aura aucune solution ever pour la tuer. De toute façon, il va gagner s'il a la baston. Donc là, on va full face et on a Leroy. On va prier pour avoir un étal sur deux tours. On va voir. Ça m'a l'air d'être une stratégie assez riche. Alors, faut lancer une chaîne Clash Royale pour faire un max de thunes. Ça marche bien Clash Royale? On en a beaucoup parlé. Non, c'est pas Clash Royale, c'est Clash Royale. J'arrive. Ça, attends, Clash Royale. Ah, c'est pas Clash Royale. Ah, si, c'est Clash Royale. Ok, marche bien. Attends, je confonds toujours Clash Royale, Clash of Clans. Et Clash of Clans, c'est le jeu de machin. Et Clash Royale, c'est le jeu de cartes. On a vaste parlé de Clash Royale. J'ai jamais su quoi en penser. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir un létal ici? Leroy là-dedans. On a 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Non, il manque des dégâts. Il manque des dégâts, c'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. On est très énervé. Ok, j'ai encore de flammes. Ah. Si je fais ça, ça invoque seulement 3 créatures. Donc ça passe seulement à 5 et je peux pas trade ici parce que j'ai pas la place. C'est probablement trade ça et ensuite trade ça. Dans la brèche. J'ai absolument pas envie de prendre ce trade, mais est-ce que j'ai réellement le choix? Je pense pas que j'ai envie de prendre le trade ici. Genre, si la tourbillon de toute façon il gagne. Non? Si la tourbillon de toute façon il gagne, juste. C'est un gros coup de poker. S'il a pas de tourbillon, j'ai toutes mes chances. S'il a tourbillon, il a gagné. C'est un gros coup de poker, mais la Sylvanas va me voler une créature et là, il va me voler une créature bonne et j'aurai plus jamais. À 18 HP, j'aurai plus jamais de quoi le tuer parce que je récupérerai plus jamais le board. Donc ça m'a l'air compliqué. Coucou le hello, sympa de te retrouver. Ça, toi, Torani! Par quoi remplacer le diablotin si on n'a pas l'extension? Le diablotin? Quel diablotin? Le chef de gang, tu veux dire? Ça dépend de quel diablotin tu parles, parce qu'il y a le diablotin des flammes, et je vois pas de quel diablotin tu parles. Le diablotin des flammes, c'est une carte neutre, enfin de base. Oh, wow, ok. Ça, c'est pas mal. Une 1-1, une 1-1, please. Une 1-1, une 1-1. Oui, ça c'est cool ça. Oui, trade, vas-y trade. Oh, ça c'est bien ça. Il avait pas le tourbillon, les gars. Il avait pas le tourbillon. On va la gagner grâce à ça. Oh la vache. Ok, 2, 3, 4, 5. On a gagné. Ah, comptons. Comptons et trouvons une solution, une solution diplomatique. 4, 5, 6, 7, plus 6. Ça fait 42. Allez, on y va. On y va, je pense que c'est létal. On va taper. Et c'est létal. Nice! En tout cas, j'aime bien tes streams, on peut parler tranquillement sans toutes les personnes immatures. Bah, merci à toi, Buncha. Après, moi, je suis un peu, peut-être un peu trop direct au niveau des. Au niveau des chiffres, etc. Je suis un peu trop transparent. Et je me dis, bah, c'est. Grâce à vous, tout ce qu'on fait, c'est grâce à vous qui nous suivez tous les jours et tout. Donc en soi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça et je trouve que c'est plutôt sain. Après, peut-être qu'il faut que je fasse gaffe à part, il y a certaines choses, tu vois, qu'il faut pas dire. Bref, aujourd'hui, on est plutôt en forme, ça monte bien. On est à 17-6, je crois que j'ai pas noté la dernière défaite, je me rappelle plus. Je crois qu'on est à 17-6, corrigez-moi si je me trompe. On est plutôt. C'était le coup de poker du tourbillon était vraiment. Était vraiment GG parce qu'il aurait eu tourbillon, il aurait gagné. Et il a pas eu tourbillon, il a perdu. Donc c'est dommage pour lui après. Mais c'est la vie, cuicui. Ok, on le vend tout, on va tour 1 dans ce match-là, on va pas ne pas avoir de tour 1. Ok, alors, ok, ça c'est une main. Ça c'est une main quand même. Les tours 2 sont bien si vous avez la pièce.
Vous pouvez garder des tours 2 si vous n'avez pas tour 1, mais vous pouvez pas juste garder. Comment dire? Vous pouvez pas juste garder du tour 2 sans la pièce contre un deck aggro. Parce que sinon il va aller trop vite et vous allez le faire rouler dessus. Donc garder un tour 2, c'est si vous avez la pièce ou si vous êtes contre un deck contrôle. Pourquoi ne pas mettre deux chefs de gang? Pourquoi ne pas mettre deux chefs de gang? Parce qu'à la base il y en avait deux et vous m'avez demandé de mettre un Bran. Du coup on a voulu essayer un petit peu avec un Bran, etc. La nouveauté. Il chope le totem de taunt. On se met bien, on se régale. Eh, attrapez ça. Là-dedans. Ah, never là-dedans. Ah, c'est pas de chance ça. C'est pas grave les gars. On a Sergent Grosset, on a pas une bonne carte au prochain tour. Ça. Pas la 3-4, pas la 3-4, pas la 3-4. Encore totem de taunt. Très énorme, ok. Hey, attrapez ça. Ok, en vrai, si on fait ça et ça, allez, ça va, c'est pas mal, ça c'est honnête, c'est pas ouf, mais c'est honnête. On a encore Leroy puissance accablante en mode départ, c'est incroyable ça. Ça suffit maintenant Leroy. Oh non, pas ton pet de foot, je te connais. Oh non, je te connais, sérieux. Oh, c'est pas sympa ça. Ça c'est très agressif, monsieur. Oh bah non, maintenant voilà, on a une main de merde maintenant. T'es fier de toi? Oh, regardez là, qu'est-ce qu'on fait avec cette main là? Bah oui. Ce serait dommage de rester en surcharge. Ok. Oh. Cette carte là va pas être très utile, je pense. Je sais pas si j'ai envie de feu de l'âme ou pas. Je pense que j'ai envie de feu de l'âme, ça. Ah putain, la fin du Leroy. Ah, fallait perdre le voile de mort, la puissance accablante, tout sauf le Leroy, c'est dommage. T'en penses quoi des vidéos sponsorisées, abusives, Cyprien Gaming? J'en pense pas grand chose, je pense qu'on est mal placé pour juger ça, on connaît pas suffisamment le milieu. Ils ont la possibilité de gagner beaucoup d'argent grâce à, bah, grâce à ces vidéos sponsorisées. Je pense que c'est tant mieux pour eux. Ouais, je sais pas. Je pense vraiment que c'est tant mieux pour eux. Je suis pas le genre de personne qui va se dire ah, mais lui il gagne beaucoup d'argent, c'est relou, c'est un FDP, tu vois. Genre, je trouve pas ça dangereux en soi. Je trouve que les seules vidéos sponsorisées qui peuvent être entre guillemets néfastes, c'est les vidéos, tuto make-up, ce genre de truc là, où tu testes, pas forcément que tuto make-up, mais où tu testes des produits et que le produit c'est de la merde et que t'es obligé de dire que c'est bien. Et ça, je trouve ça dangereux parce que bah voilà, la personne va, le consommateur va acheter un mauvais produit qui est nul, qui est dangereux, tu vois. Mais en soi, genre un jeu vidéo, bah ok, tu joues à un jeu pas marrant et tu dis que c'est marrant, mais genre c'est un moyen comme un autre de gagner ta vie, tu vois. Enfin, je sais pas, honnêtement, je sais pas, j'ai pas le recul nécessaire à mon sens pour pouvoir juger de ça. Donc voilà. Ok, faisons ça. Ça et ça. Alors, mais c'est, bah dis donc, on se fait rouler dessus. Littéralement. À quand une vidéo avec Thibaut InShape? Lorsqu'il voudra bien faire une vidéo avec moi. Allez spam les gars, allez spam. J'ai besoin d'aide. Tu fais partie des seules personnes avec Skyheart et la chaîne Gamers Origin pour qui je désactive à des blocs. T'es l'un des meilleurs streamers Gamers Origin, c'est avec plaisir de te regarder. Merci à toi les nouveaux gens, joli pseudo, ça fait plaisir en poste que tu me dis. Oula, alors on va jouer ça d'abord quand même. Ça sera dommage. On va pas trade ici, c'est pas incorrect. Ok, bon, on se fait piétiner, mais on se fait piétiner de manière correcte et cordiale. Donc c'est ce qui compte, de manière dans le respect de chacun. Voilà, destruction élémentaire, dans le plus grand des calmes. Allez, petite. Non, voilà, même pas besoin. Je pensais qu'il allait faire lava burst éclair dans ma tête ou lava burst proc proc, mais il a pas besoin. Il est bien au-dessus de ça. Alors, piochons une carte. L'Argus, c'est la puissance accablante. Dommage. Il aurait été meilleur. Donc je peux trouver les decks de The Fichu s'il te plaît sur sa chaîne YouTube. Bon, pas, tu peux la retrouver. On a de quoi ouvrir un petit paquet, ouvrir un petit booster les bros. Et voyons ce que ça donne. Bim. Petite légendaire du jour, ça me fera plaisir. Votre petite légendaire du jour. Oh, une rare dorée, du sang à licorne. Elle est très très jolie en doré, regardez. Il me fait trop penser à Talon dans League of Legends, lui. Il me fait trop penser à Talon. Mais bon, elle est très jolie cette carte. J'aime beaucoup. Sympa. Allez les potes, on fait une petite pause. Ce sera la dernière pause de ce stream, les amis. J'espère que vous passez un bon moment. Et on se retrouve dans 5 petites minutes, le temps d'aller boire un verre, etc. Et à tout de suite.